Te voilà. Le Congrès délibère toujours. George Washington et sa milice ont tiré sur les troupes françaises près de Dumonville. Les Français dénoncent un acte de guerre. Washington. Le frère cadet de Lawrence ? Oui, celui-là même. À propos de Lawrence Washington, depuis que tu l'as éliminé, James Wardrop a pris du galon. Il dispose désormais de toutes les ressources des Templiers. Qu'est devenu le manuscrit ? Mes sources à New York confirment que Wardrop le détient. Et j'ai aussi appris qu'il est ici au Congrès, sous bonne escorte. Shay, trouve Wardrop et récupère ce manuscrit. La ville grouille de soldats Templiers. Nous allons faire en sorte qu'ils ne s'enfuient pas. Colonel des guerriers de six nations. Mon père est un gars. Ne fugitez pas. Sauf votre respect, je ne peux laisser entrer n'importe qui. Où est votre officier supérieur? J'exige de m'entretenir avec lui. Je vais tâcher de le trouver. Ce doit être le Templier William Johnson. S'il ne détient pas lui-même le manuscrit, il doit savoir où il se trouve. Je l'ai dit et je le répète, nous avons besoin d'une union nationale, promulguée par une loi du Parlement, mais octroyant une plus grande indépendance à nos colonies. Les Français incarnent une menace, contre laquelle nous sommes désarmés. Pour être clair, les colonies doivent s'unir ou périr. Un fort beau discours, Master Franklin. Mais croyez-vous vraiment que la Grande-Bretagne octroiera l'autonomie à ses colonies ? Il n'y a guère le choix, Master Johnson. Vous mesurez mieux que quiconque l'isolement de cette frontière. Certes. Mais laissons un peu de côté la politique. Je venais vous remercier pour vos recherches. Merci, merci. Dès l'instant où j'ai vu cette boîte, j'ai senti qu'elle avait quelque chose d'unique. L'Égypte antique, dites-vous. Ma foi, comme je l'ai évoqué dans ma lettre, je me propose de l'électrifier. Parfait. Nous vous la ferons parvenir sous peu. Et quant au manuscrit... Capitaine ! Toutes mes excuses, sir. Mais Master Wardrop a tenu à le garder. Il a jugé les risques trop grands. Les risques ? Ah. Veuillez me pardonner. Vous aurez le manuscrit et la boîte dans les plus brefs délais. Misérable soldat de pacotille! Courez à Fort Frédéric et dites à Master Wardrop qu'il a intérêt à nous donner ce manuscrit au plus vite. Sans quoi je le fais scalper. Cette tunique rouge ne doit pas atteindre Wardrop. Notre gouvernement colonial se doit d'être plus puissant. Occupons-nous du Wardrop et du manuscrit. You really think we won't catch you? Ah.
Tu as échoué, chien de Templier. Non, tu n'as pas idée de ce que tu fais, pauvre fou. Je sauve le peuple de votre emprise. Tu préfères donc voir la France nous forcer à tous courber les chines? Les colonies se porteront beaucoup mieux lorsque les Templiers ne les contrôleront plus. Nous forgeons l'ordre au cœur du chaos. Si tout est permis, alors nul n'est à l'abri. Même le diable peut citer la Bible pour favoriser ses desseins. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, cher monsieur. Ah!
Capitaine, reprends. J'ai récupéré le manuscrit. Parfait. Hope t'attend à Sleepy Hollow. Y a-t-il à Sleepy Hollow? Benjamin Franklin, l'homme que Johnson a consulté pour faire fonctionner la boîte des précurseurs. Quel est notre plan? Retrouve Hope. Fais-toi passer pour l'un des hommes de Johnson et remets la boîte et le manuscrit. Me voilà donc messager. Oui. Vois si ce Franklin peut découvrir le secret de cette maudite boîte et reste à ses côtés. D'après nos sources, cet homme n'a aucune connaissance des Templiers, ni des assassins. Ah, une mission facile. Pour toi, tout est facile.